Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. Donc je ne vous en avais pas fait pour le mois d'octobre, mais je n'avais vraiment rien acheté de plus, donc j'avais pas envie de vous faire des favoris alors que je n'avais rien acheté. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 produits donc ce mois-ci que j'aime énormément. Il y en a que vous connaissez, notamment le Black Track, donc mon eyeliner vraiment préféré. C'est vraiment mon eyeliner préféré, je l'adore et je le mets vraiment tous les jours en ce moment. J'ai vraiment la flemme de me maquiller en fait. Du coup, je me mets que de l'eyeliner et franchement, je l'adore. Et également le pinceau qui va avec, donc c'est le Kiko que vous voyez toujours dans mes vidéos et que j'aime vraiment énormément. Je trouve qu'on applique très bien l'eyeliner avec, puis le fait que ce soit un crayon, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, vous avez... Oups, je vais faire tomber. La lotion de chez Kiehl's qui est juste, mais... J'adore tellement cette lotion que c'est clair que je vais probablement me la racheter et donc voilà, vraiment top et rien à dire sur les produits Kiehl's de toute façon. Je pense même m'acheter la crème hydratante, mais j'attends un petit peu parce qu'avec les cadeaux de Noël et tout ça, je préfère attendre. Ensuite, vous avez le blush de chez NARS que vous connaissez toutes, ça c'est clair, c'est l'orgasme, je sais pas comment trop on prononce, j'entends souvent orgasme, enfin bref. Et donc voilà, je vous le remontre rapidement, il est juste sublime et j'adore le porter. Donc voilà. Ensuite vous avez, alors ça j'adore, je mets ça tous les jours, je trouve que ça fait des cils de malade. C'est le kit de sourcils Benefit. Vous voyez, ça se présente dans un petit boîtier noir comme ça. Et donc, vous avez un côté donc, crème et un côté poudre. Et donc, moi, j'ai la teinte dark, je crois. Ouais. Et donc, vous avez donc, la pince épilée et deux petits pinceaux. Et je trouve que, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, mais moi qui suis très nulle pour épiler mes sourcils, c'est toujours une cata. Je trouve que, du coup, ça dessine très 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 bien les sourcils et je trouve ça très très beau. Quoi. Donc ça, je vous le conseille. Et puis, vous avez le fameux pâtisserie que je mets juste tout le temps. Et regardez, il en reste juste très peu. Il va falloir que je me le rachète, il est magnifique. Donc voilà, si vous avez vous hésitez sur les achats de vos rouges à lèvres de chez MAC, je vous conseille pâtisserie. Ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas le regretter. C'est le rouge à lèvres parfait à mettre tous les jours, texture géniale. Il ne tient pas forcément des heures et des heures, mais il est génial. Donc voilà, je crois que je vous ai absolument tout montré. En tout cas, je vous fais de très gros bisous les filles et à une prochaine vidéo. Bye !